Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Pendant dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit glitch, mais vraiment très facile, qui vous permet d'avoir des couleurs auxquelles normalement vous n'avez pas accès. Donc voilà, là en l'occurrence, je le fais avec une Deluxo, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel véhicule, du moment qu'il rentre au LS Custom. Donc voilà, une Deluxo grise, plutôt basique. Voilà, donc pour ça, vous rentrez simplement au LS Custom. Voilà, vous allez simplement descendre jusqu'à peinture. Peinture principale pour commencer. Et là, je vais vous faire une petite démonstration, je vais vous montrer, voilà, on va prendre une couleur mate. En l'occurrence le noir. Là on revient en arrière. Et on va essayer de prendre du nacré. On voit qu'on ne peut pas prendre le nacré. Bah, je vais vous montrer comment on fait pour contourner ce problème-là. Donc là voilà, j'en sélectionne une autre pour resélectionner la noire. Voilà, donc là c'est. Je sélectionne la couleur mate que je voulais. Je reviens en arrière. On va dans les nacrés. On va dans les métallisés. Et on descend la liste, pas forcément toute, hein, on en fait juste un petit peu. Ensuite, on revient en arrière, on va dans plaques, on sélectionne trois plaques au hasard. Voilà, trois plaques. Là, on revient encore en arrière et on retourne dans peinture. Peinture principale. Et là, on peut utiliser le nacré. Vous allez voir que peinture noire plus nacre, c'est pas mal du tout, ça fait des belles couleurs. Et puis il y a énormément plus de choix du coup au niveau des couleurs. Donc voilà, c'est un petit glitch vraiment très très facile et très rapide à faire. Donc voilà, vous défilez, vous regardez un peu les couleurs qui vous plaisent. Puis quand il y en a une qui vous plaît, bah vous la choisissez. La sauvegarde se fera automatiquement quand vous sortirez avec le véhicule. Donc pas de manipulation entre guillemets complexe. Vraiment très très simple. Pour la couleur secondaire, vous avez juste à choisir le noir, enfin la couleur mate. Et la couleur, elle prendra le nacrage. On voit bien la deuxième couleur et que la deuxième couleur a bien pris la même couleur que le reste de la carrosserie. Donc voilà, je vais sortir avec le véhicule pour montrer un petit peu à l'extérieur ce que ça donne. Et après, je ferai une autre couleur pour bien montrer comment on fait. Donc voilà, ça donne un peu cet effet-là. Genre un effet double couleur un peu noir et ben là en l'occurrence une sorte de vert. Mais selon l'angle où on regarde le véhicule, il n'a pas forcément la même couleur. On peut des fois penser que le véhicule est noir et finalement en fait on se rend compte qu'il est plutôt rouge de temps en temps. C'est assez intéressant. Donc voilà, là c'est là je vais faire la deuxième couleur. Donc comme si comme si on repartait à zéro. Donc voilà, là on va dans peinture. Peinture principale. Couleur mate. Là je choisis une couleur. En l'occurrence moi j'aime bien le noir. Ensuite on va dans métallisé. On défile quelques couleurs. Une fois que c'est fait, on revient en arrière jusqu'à plaque. Là on sélectionne trois plaques. Là, on retourne dans peinture principale et on peut accéder au nacré. Et là, on choisit le nacrage qui nous plaît. Donc, vraiment très facile, hein. On arrive, on sélectionne peinture, on prend un noir mat. Enfin, un noir mat, on prend une couleur mat. On revient en arrière.
On va dans la liste des métallisés et on défile un peu la liste. On retourne en arrière, on change les plaques, on change trois plaques. Et ensuite, on n'a plus qu'à retourner au nacrage et le nacrage sera activé. Donc voilà le résultat. En tout cas pour ce set de couleurs. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo rapide mais qui est plutôt sympa. Voilà, moi je le sais que je l'ai fait pour quelques véhicules, j'ai pas fait pour tous mes véhicules, mais quelques-uns, j'ai mis cette couleur. Parce que j'aime bien. Et en fait c'est bizarre mais c'est plutôt à l'ombre que on trouve que je trouve cette couleur la plus jolie. Voilà, on voit bien le côté rouge, mais aussi le côté noir, selon l'angle de la caméra, de la luminosité et tout ça. T'as l'impression d'avoir une voiture qui change de couleur un peu. Bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut!